Ok. Donc c'est parti pour une autre vidéo de Devil May Cry. Ouais, excuse-moi, donc tu disais Dark Knights. Toujours dans la fournaise, dans le niveau tard la fournaise, de la fournaise. Allez, viens là, toi. Voilà. Tiens, 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 voilà. Allez. Ah, bon, oh, tout ce qu'ils m'ont enlevé, le salaud. J'ai pas envie d'utiliser des triggers pour voilà. Voilà. Ah putain, le salaud. Tiens, 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 voilà. Voilà, là aussi je vais utiliser le débit trigger. Putain, merde quoi, merde, je veux l'écarisseur là, dégagez, vous, bande de parasites. T'as en plus là, quand tu te fais toucher, tu prends super cher dans le Body Palace. Allez, tranche-les. Voilà, ok, super. Ah, il y en a d'autres qui sont venus. Voilà. Allez, tranche-les. Voilà. Voilà, maintenant il reste plus une. Je vais même pas utiliser le Devil Trigger. Ah non, là c'est le... donc le jeu il est en Dauntless Die. S'il fait ce coup là, c'est qu'on est en Dauntless Die. Ah si, si, t'es fou, moi je suis à l'affût. Tout ce qui se passe dans ce jeu là, je suis à l'affût. Violent. Ah là, il m'a eu. Ah ouais, t'es fou. Et là, le 6 mars, il y a Virgile. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit gratuit, le Bloody Palace. Franchement, j'avoue, je m'y attendais pas. Moi, je croyais que ça allait être, tu sais, avec le pack de Virgile, tu vois. Parce que je savais que Virgile, ce serait un DLC payant. Et comme ils avaient annoncé le Bloody Palace, moi, je me suis dit, tu sais, que ce sera un DLC, peut-être à 1200 points, t'as vu. Et là, quand j'ai vu le trailer, là, gratuit, je fais, ah ouais, quand même, bah, c'est de la montre. De quoi? Ouais? Ouais? C'est quoi? S'il y aura des quoi? Elle sera support, comment ça? Non, non, ils ont pas dit. Non, ils ont pas dit, mais par contre, elle sera pas rétro-compatible. Je suis mort. Je suis mort. Donc voilà, bon, j'ai fait point de style B, hein. Temps 22 minutes, ouais, il me restait 22 minutes. Achèvement A.
68 vagues. Score final B. Hein. Bon, j'ai passé presque une heure dessus. Et attends, je vais jeter un coup d'œil au classement. Alors. Donc moi je suis 1262e. Hein. Bon, en même temps, c'est ma première. C'était ma première partie. Et le premier, c'est un Américain. Avec un score de 74 millions. Et le deuxième, c'est un Belge avec 64 millions. Hein. Donc il y a 10 millions d'écart entre le premier et le deuxième. Putain, le mec, il a dû doser. Hein. Donc voilà, hein, pour ceux qui veulent s'amuser à être number one au classement du Palais Sanglant, hein, bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Moi, personnellement, je peux pas. Hein, je peux pas parce que. En fait, il y a une manière de faire qui est trop compliquée. Et là, je regarde, je descends dans le classement, je vois aucun Français. Hein, bah oui, hein, cela va de soi. Beaucoup de Japonais et d'Américains. Donc voilà. Allez, je coupe la vidéo. Ciao.